Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida et à cette occasion, on a décidé de mettre en place des actions de sensibilisation et de dépistage pendant près de 15 jours. Donc aujourd'hui, ça commence, on est le 30 novembre. On est au lycée Camille Claudel et on est là pour sensibiliser les élèves du lycée sur les questions de vie affective et sexuelle et plus spécifiquement sur le VIH-Sida. Il y aura des actions tout au long de la semaine jusqu'au 13 décembre. Justement pour amener de l'information au plus près des gens et leur proposer du dépistage gratuit. Et la semaine se clôture avec la venue d'un bus de l'association AIDS qui va proposer du dépistage anonyme et gratuit à tous ceux qui le souhaitent. Pour nous, c'est très important d'être ici aujourd'hui parce que on essaie d'être au plus près des personnes vulnérables et au plus près des personnes exposées au VIH, SIDA et aux hépatites. Donc d'être à Vitry, c'est pertinent pour nous, comme dans tout le Val-de-Marne et comme sur tout le territoire français. Nous, on travaille dans une démarche de aller vers, donc on se déplace avec notre véhicule dans lequel on propose le dépistage. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA et la ville de Vitry est mobilisée pour que ses habitants soient informés des risques. On est au centre municipal de santé de la ville de Vitry. Donc là, on est sur un stand de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Et du coup, nous, on est là parce que c'est important pour nous d'être dans cette mission de prévention et de sensibilisation à tout ce qui est vie affective et sexuelle dans le cadre de la Journée mondiale du VIH.